Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de La Parole aux Jeunes. Aujourd'hui, je reçois un jeune dynamique du côté de la Côte d'Ivoire, un compatriote ivoirien. Alors la première question, quelle analyse faites-vous de la situation actuelle en Côte d'Ivoire vis-à-vis du coronavirus? Pour ce qui concerne mon pays, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a une nette avancée de cette pandémie, mais en même temps, il y a des personnes qui guérissent. Chose somme toute encourageante. D'accord, bien entendu. Alors, quelles solutions proposez-vous pour lutter efficacement contre cette pandémie? L'État doit maintenir la communication avec la population, mais surtout restreindre les déplacements inter-villes. C'est vraiment important. Et enfin, maintenir le couvre-feu. Quelles solutions également proposez-vous pour prévenir une récession économique? Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, l'économie est en benne. Relativement à la situation actuelle du monde. L'économie mondiale aujourd'hui est au ralenti. Donc, la Côte d'Ivoire, je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. À notre niveau, à mon humble avis, il faut juste maintenir ou assurer le service minimum. Le coronavirus est une réalité, mais ne serait-ce pas là une occasion pour le pays de renouer avec la réconciliation véritable? Au début, prendre la question de réconciliation parce qu'aujourd'hui, les gens ne travaillent pas. Comment je n'ai debout, là est leur préoccupation majeure. Donc, je pense que c'est cela, en fait. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce numéro, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et surtout, merci pour tout et on est ensemble. Restez chez vous.